Bonjour Deadgull, j'espère que le son de ma voix est bon. Le live va pas tarder à commencer. C'est parti. Donc, on reprend notre parcours dans Skyrim. Donc, on avait hier fait la quête du bouffon. Il nous restait. Voilà, examiner. Non, ça, c'était machin. Le bouffon perdu, on fera plus tard. Ça, c'est fort divers. Ça on fera après. Ah oui, on devrait avoir des fils arrive bois. Ah, attends. D'abord, on va faire le niveau en plus que j'ai pas fait. Donc la vigueur en plus pour porter plus et il me reste un atout. Sur parade en cours de visée permet d'effectuer un zoom coup critique. Enfin, un coup critique. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, on va aller à Rivebois qui est ici. Ah, tu viens juste d'entendre mon message? Parce que sinon il y a au moins 30 secondes de décalage. Ah, ma monture est là. Ah, bah, reste là. Elle est où, Delphine? Donc je sais pas si t'as vu mes anciens épisodes, sinon tu peux aller sur ma chaîne Twitch ou alors ma chaîne YouTube pour voir les anciens épisodes en fait. Hein. Bienvenue. Si vous voulez quoi que apparemment, ce soit, personne n'a essayé de vous suivre. Je dois avoir une venez, j'ai un plan. Donc, elle, c'était. Ah oui, c'était pour les dragons. Plan des dragons, là. Tuer les dragons, je sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un passage secret. Là. Pour aller chez elle. Je sais comment nous allons vous faire entrer dans l'ambassade du Talmor. Je me souviens même plus. Talmor, c'était pourquoi déjà? C'est dommage qu'il n'y a pas tu pour rappeler, parce que... vous ne venez pas, et bien ça n'aurait pas mis longtemps, pourquoi entrer. Ça fait longtemps que je fais ça, vous vous souvenez? Pendant que les Talmor me cherchaient, je les observais. Je sais même plus. Talmor... Alors, quel est votre plan? Comment dois-je faire pour ma vie? L'ambassade de Talmor. Hélène Wen, l'ambassadrice du Talmor, organise régulièrement des réceptions pour permettre aux nantis de venir faire leur courbette au Talmor. Je peux vous faire participer à une de leurs réceptions. Une fois à l'intérieur de l'ambassade, trouvez le moyen d'accéder aux documents secrets d'Hélène Wen. Je connais quelqu'un à l'ambassade. Il n'est pas capable de ce genre de mission à haut risque, mais il pourra vous aider. Il s'appelle Malborn. Un elfe des bois qui a de nombreuses raisons de détester les Talmor. Vous pouvez lui faire confiance. Je lui dirai de vous retrouver à Solitude, au Ragnar pervers. Vous connaissez? Pendant ce temps, je me débrouillerai pour vous obtenir une invitation à la petite réception d'Hélène Wen. Retrouvez-moi aux écuries de Solitude lorsque vous aurez mis les choses au point avec Malborn. Des questions? Qui vous contacte? Vous êtes sûr que je peux lui faire confiance? Accéder à sa réception, elle a dit, il y a une invitation, une fois qu'est-ce que je fais? C'est là que les choses sérieuses commencent. Vous devrez vous éloigner des invités sans éveiller les soupçons. Vous devrez ensuite trouver le bureau d'Hélène Wen et fouiller ses documents. Malborn devrait être capable de vous mettre dans la bonne direction. J'ai pas encore le pouvoir de visibilité.
Ça a dit oui, comment est-ce que je vais pouvoir accéder ça, hein? Ne vous inquiétez pas pour Malborn. Ce n'est pas quelqu'un de dangereux comme vous. Mais il déteste les Talmor au moins autant que moi. C'est un elfe des bois. Les Talmor ont tué toute sa famille à Valboisé, lors d'une des nombreuses purges dont personne n'entend pourtant parler. Heureusement, ils ne savent pas réellement qui il est. Autrement, on ne le laisserait pas servir les boissons aux réceptions de l'ambassadrice. Ah oui, j'ai laissé le mode ralenti. Il me semble pas. Là, je sais pas si je peux le faire. Attendez, je vais essayer. Je reviens. Voici de retour, oui, ça y est, j'ai enlevé le mode lent en fait. J'en étais où moi? Ouais, je teste. Du moment que tu floutes pas, c'est bon, y a pas de soucis. Enfin, bah, vu le peu de gens qui regardent. Je m'en souviens même plus. Il y a des quêtes. Quoi? Quelque chose vous embarrasse encore? Et non, c'est pas à toi que je parle. L'ensemble des dragons viennent à la vie, mais ce sont d'autres dragons. Ah oui! D'accord, pour savoir pourquoi les dragons revenaient. Delphine soupçonnait Talmor de faire revenir les dragons pour de cette raison. Là, va maintenant. Ok, ah, d'accord, c'était pour ça, d'accord. Sans souvenir, je m'en souvenais pas. Quoi? Quelque chose vous embarrasse encore? Non, j'ai l'impression que Delphine, elle voit pas que Serena est là, en fait. Oh, elle prend dans ses bras. C'est beau, le bug, là. Hop, un petit screen. Oh, Serena qui vole. Quoi? Quelque chose vous embarrasse encore? Re, Nicolas. Franchement, le beau bug. Bon, allez. XD, ouais. Il y a tellement de quêtes dans ce jeu, là. Faut s'y retrouver. Comme j'ai déjà dit, les quêtes, ils sont même pas classées par difficulté. Ouais, magnifique bug. Parce qu'apparemment, les autres gens, ils voient même pas qu'elle est là, en fait. Ça, ils disent pas, mais tiens, qui est la personne qui vous accompagne? Ils s'en foutent. Enfin, dans un sens, tant mieux, parce que c'est une vampire, donc... alors... Parce qu'on est là, et solitude, c'était pas de l'autre côté, ça? Je m'en souviens même plus où c'est, solitude. Enfin, ça c'est fort d'hiver qui est là. Ah, c'est là-haut, d'accord. Ouais, mais solitude, je veux pas y aller à cheval, hein. Comme ceux... des mammouths. Je comprends pas ce que tu dis. La carte. Est-ce qu'on peut aller à Solitude en téléportage? Non, je veux pas un point de repère. Ouais, bon, on va y aller comme ça. Le bug des mammouths.
Je ne sais pas comment vous pouvez supporter toute cette lumière. J'ai pas encore vu le bug des mammouths. Il est où mon cheval? Ah, il est là. D'accord. Ah bah t'aimes pas la lumière moi non plus. Voilà. En pleine nuit c'est mieux. Alors, bah faut que j'aille à la j'espère que je suis pas au niveau 4. Quand ce qui est chiant avec les vampires, c'est que là, je sais même pas si je suis au niveau 4 en fait. Il s'envole en plus de 100 mètres. Ah oui, ça c'est un sacré bug. Parce que si je suis machin, au niveau 4. Ah oui, je me rappelle. Attends. Hop là. Attends. Hop. C'est peut-être par là-haut. Pour aller en ville. Ah oui, c'est par là. Si je vais pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir rentrer, moi? Donc avec lui, je pourrais rentrer. J'ai pas envie de payer. On va voir. Est-ce que je peux rentrer? Un petit F5 avant. Ah bah faut peut-être aller manger. Bon, c'est bon, je peux rentrer. Non. Souci d'estomac. Solitude, voyez, je rentre. Est-ce qu'il va me dire je découvre ou non? On va faire un saut rapide. Vous arrivez juste à temps pour faire coucou à Rogvir. Ah voilà, je dois faire de mal à tonton Rogvir. Dites-leur qu'il est innocent. Encore une ville que je découvre et que j'ai pas fait tous les 4 secondaires. Tu dois rentrer à la maison. Vas-y. Et reste-y jusqu'à ce que ta mère revienne. Traite. Vous nous avez trahis. Bienvenue. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je dois avoir une chope pas trop sale quelque part. Je peux vous aider? Salut collègue, tu me reconnais pas? Je suis Neuf des Bois. Il vous faut quelque chose? Vraiment? C'est vous qu'elle a choisi? J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Écoutez, je peux faire entrer de l'équipement en douce dans l'ambassade. Mm-hmm. N'apportez rien avec vous. Les Talmor ne plaisantent pas avec la sécurité. Par contre, donc il me faut... Donnez-moi ce dont vous avez absolument besoin, et je ferai en sorte de le cacher dans l'ambassade. Le reste dépend de vous. Il faut que je change de... d'uniforme. Attends, est-ce que je... Avant de te répondre. Mm-hmm. À la prochaine. Attends, je regarde dans mes trucs, moi. Dans ma garde-robe. Parce que je n'ai pas de... Mm-hmm. Est-ce que je peux rentrer en armure? Il faut que j'achète un truc. C'est tout de même dommage. Ah, les nouveaux vêtements, ils me les donnent. Je peux rentrer. Pas besoin de les acheter. Des clients bruyants sont des clients contents et des clients contents. J'espère. C'est bon. Il faut que je sois de retour avant que l'on ne remarque. Salut, Croc. N'oubliez pas, vous n'aurez rien d'autre que ce que j'aurais fait entrer en douce. Ok. Pardon? Elle m'avait promis d'envoyer quelqu'un qui connaissait la musique. Si vous voulez vous en sortir indemne, prévoyez de quoi vous déplacer en silence, ainsi qu'une arme efficace, et je vous apporterai tout ça. Et Tati Faïda à Pondragon, elle tient bien une T'es sûr qu'il y a une arme efficace, donc il me faudrait pas une épée, parce que ça va se voir, enfin logiquement, après dans le jeu, je sais pas. On a ce qu'il me faut. D'accord. Je ferai entrer ceci à l'intérieur de l'ambassade. Il faut que j'y aille. Ne vous inquiétez pas, je vous retrouve à la soirée. D'accord. Non, je suis pas à poil, ça va. Je vous retrouve à la soirée. N'hésitez pas à me solliciter. Certes, j'ai peut-être... Bienvenue au Ragnar pervers. Mais je préfère l'art de l'esprit. En fait, quand j'étais gamin, j'avais un Ragnar apprivoisé qui clignait des yeux. Ça va. Il a la voix un peu en... Ouais. Légèrement sur les notes.
Ils étaient plus petits à l'époque. Les bardes se livrent une compétition féroce, n'est-ce pas ? Bon, ça le travail, on verra plus. Je crois que l'Académie des bardes cherche de nouvelles recrues. Vous devriez aller voir Viarmo, son directeur, si cela vous intéresse. Voilà. Ça, ah, encore, je déteste tous les jours, je vais le dire. C'est ces quêtes automatiques, là. Je devais aller déjà aller toute de barde, me semble. La prochaine fois que vous aurez mal aux pieds, pensez au Ragnar pervers. Je n'aime pas votre regard. Il dégage quelque chose de mauvais. Arrête, je vais te boire ton sang. Oh, non. Mais écouter de la bonne musique, bien boire et passer du temps avec de bons amis m'a toujours comblé. Tu fais tarde, quoi. Si les rumeurs vous intéressent, vous devriez aller voir Corpulus. Cela dit, j'ai vu quelqu'un passer qui se dirigeait vers le Palais Bleu. J'aimerais tellement apprendre à devenir charmant. Je ne suis doué que pour... Je n'en ai que le diplôme. En fait, je travaille ici au Ragnar pervers. Cela dit, je vous le recommande fortement. Allez voir Viarmo si ça vous intéresse. Vous devriez songer à rester pour la nuit. Grâce à Corpulus, la taverne est très propre. Non, c'est pas ça, je voulais avoir un truc magique. Alors, truc vampirique, j'ai ça. C'est revenu. Hache d'armes liées. Crée une hache d'armes. Serviteur vampirique. Ça, j'ai pas encore utilisé ce machin-là. Séduction, je dois être pas loin du niveau 4. Quelqu'un sait comment on voit vraiment les niveaux où on est, non? Vous savez pas comment on voit les niveaux? Voilà, tête. Je n'ai rien à vous dire. Dégarpissez. Mais moi non plus, j'ai rien à te dire, moi. Je t'ai pas parlé. Ceci est à moi! Con. Le con. J'ai pas eu le temps de voir, j'ai vu voler. Hop, merde. Bon, j'espère qu'on va pas me poursuivre. Je vous ordonne de vous arrêter. Oh putain. Par ordre du Jarl. Pas un pas de plus. Tu me fous en prison pour ça? Je vais payer la prime. Pas bête. Mais suivez-nous. Nous garderons tous les objets que vous avez volés. Et vous pourrez partir. Après avoir payé votre libération, bien sûr. Brûlé. Non, apparemment, on peut voler. Ou alors, j'ai toujours... Ouais, mais je vois pas l'utilité de me faire venir jusqu'à là. Tout ça pour une plante. C'est clair. Ah bah, Marco, voilà. Oh. Ah, Serena. Moi, je suis où? Oui, mais... carte locale. Forge. Ah, c'est là où je dois aller. Aux écuries, donc faut que je descende. M'intéresse pas, Jarry. Inutile d'insister. Vous devriez y réfléchir. À travailler dans ce bar, vous passez à côté d'occasions extraordinaires. Vous ne semblez pas d'ici, et c'est également mon cas. On pourrait être amis. Ah bon? Vous êtes de passage à Solitude. Ça vous dirait de gagner facilement quelques pièces d'or? Ah, tu veux choix voleur? Non. Mmh. Non merci. On verra peut-être ça plus tard. Bric-à-broc. Bric-à-brac. Est-ce que j'ai pas des... Est-ce que j'ai pas des trucs à reforger, moi? Non, je suis là. Bérand m'a dit que votre... Vous êtes pâle comme un linge. Vous êtes... Bérand est mon mari. Il travaille à la forge de Mornefort. Je le vois assez peu ces temps-ci, mais il a beaucoup de commandes pour l'armée. Des babioles, des petites choses. Oui, moi. Ouais. Est-ce que j'ai pas des trucs à te vendre? Bon, j'ai plein de filtres et de pouvoirs, mais je sais pas du tout si ça me sert à rien, des parchemins. Poussière de vampire, ça me laisse pas grand chose. Par contre, ça.
Moi, j'aurais bien voulu leur faire les trucs de dragon. Qu'est-ce qu'elle a me vendre? Poireau, du beurre de breuvage. Non. 29. 12 points. Mon bouclier fait quoi? 31. Ceinture. Donc vous me dites que pas besoin que j'achète, ça va être fourni. Non, c'était une sale affaire. La mort du haut roi Torig a rendu tout le monde fou en ville. Et entre vous et moi, ce n'était même pas un bon roi. Tous ces discours sans queue ni tête, l'empire ceci, l'empire cela. Vous pouvez revenir au bric-à-brac quand vous voulez. Il y a pas de souci. Monsieur. Ah ouais, c'est ça son mari. Vous l'aider ? Non, tu peux pas m'aider. Bon allez, on va aller à l'écurie là. Comme s'il n'y avait pas assez d'étrangers en bord de ciel. Voilà que les mercenaires de l'enclume se pavanent dans nos rues. Vous êtes toujours là? Sur le chat? Malborn, bien, j'ai votre invitation à la réception. Mais le seul moyen de passer les gardes est de figurer sur la liste des invités. Ce qui veut dire que vous devez en avoir l'air, et que vous ne devez porter aucune arme sur vous. Tenez, mettez ça. Je garderai le reste de vos affaires jusqu'à votre retour. Vous n'aurez que ce que Malborn aura fait passer pour vous, plus ce que vous pourrez trouver à l'intérieur. Ok. Vous ne pouvez pas aller à la réception de l'ambassade du Talmor dans cette... Oui, j'ai compris. Ça, je peux le garder. Je crois que j'ai tout enlevé, là. Casque, chausse, amulette, fragment de machin. Festif. Attends, vous ne pouvez pas aller à la réception de l'ambassade du Talmor dans cette tenue. Pourquoi? C'est ce que tu m'as donné. Pourquoi elle me dit ça? Vous ne pouvez pas aller à la réception de l'ambassade. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Peut-être ça qui rend trop. Votre monde, chaussures. Ah oui, d'accord, les gantelets. Du Talmor dans cette tenue. Il faudra se contenter de ça. Vous devriez donner le change sans trop de problèmes, au moins jusqu'à ce que vous ouvriez la bouche. En route pour l'ambassade? Ce n'est pas le moment de reculer. Je vous ai mis tous les éléments en main, et je ne vous parle même pas de Malbor. Faites ce que vous avez à faire, et mettons-nous en route avant que l'occasion nous échappe. Il faudra se contenter de ça. Vous devriez donner le change sans trop de problèmes, au moins jusqu'à ce que vous ouvriez la bouche. En route pour l'ambassade? Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tout intact à votre retour. Il y a intérêt. Contentez-vous de revenir en vie avec les informations dont nous avons besoin. Bonne chance. Et elle va me tuer, Cyrano, là. Par contre.
Parce qu'elle est peut-être pas super discrète non plus, elle. Ah, je ne suis pas le seul à arriver en retard à la petite soirée d'Ellen Wayne. Je vois qu'on arrive en calèche, rien de moins. Je vous salue, madame. Mmh. Mon retard est davantage dû au fait que je me suis égaré en plein de sur cette montagne isolée qu'un verre désir d'arriver après les autres. Peut-être crois-je-t-il, il faut une clé. Ah, c'est tout le monde n'est pas arrivé, d'accord. Je suis sûr de pouvoir boire tout mon sou. Ah bah si, elle est là. On ne boit pas assez aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord? Je vais simplement me reposer quelques... Je vais me reposer ici un petit moment, même s'il fait un froid de canard dehors. J'ai pas hâte de prendre le chemin du retour. D'accord, ouais. Bon, bon, on va visiter en attendant. Partager une calèche après la fête. C'est baraquement. Juste de nous rencontrer. Mais réfléchissez. D'ici la fin de la soirée, nous serons sans doute de fidèles amis. J'ai hâte d'y être. Vous pouvez pas attendre cet endroit. C'est où qu'il faut aller? Prenez votre temps. On va utiliser la calèche, non? On est arrivé là, non? Ça doit être le beau temps de bord de ciel. Ne vous occupez pas de moi. Je suis parfaitement insensible. Bienvenue à l'ambassade de Talmor. Je confondais. Votre invitation, je vous prie. Merci, madame. Entrez. D'accord. Ok. Voilà. Je confondais Serana avec. Avec elle, en fait. Super. Je ne fais que mon devoir. Veuillez entrer dans l'ambassade. Bienvenue, chef. Ok. Ouais. Ambassade de Talmor. Bienvenue. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je suis Ellen Wayne, l'ambassadrice du Talmor en bord de ciel. Et vous êtes? Ouais, j'ai un peu de les rencontrer. Quelle fête, c'est ma première. Bon, puis-je peux trouver un verre? Vous êtes Wayne? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vraiment? En bien, j'imagine. Mais vous avez un avantage sur moi. Je ne sais absolument rien de vous. Parlez-moi un peu plus de vous. Quel bon vent vous amène en bord de ciel? Qu'y a-t-il, Malborne? C'est que nous sommes à court de vin alto. Ai-je votre permission pour déboucher cette bouteille de rouge d'Arentia? Il essaie de faire diversion, d'accord? Je vous ai déjà dit de ne pas m'importuner avec de telles broutilles. Bien. Alors, parlez, hein. Je dois encore lui parler. Madame l'ambassadrice. Mes excuses. Nous essaierons de faire plus ample connaissance un peu plus tard. Passez un agréable moment. Nous vivons des temps de troubles, en effet. Que puis-je faire pour vous? Ah, vous avez réussi à entrer. Parfait. Dès que vous aurez distrait les gardes, j'irai ouvrir cette porte et nous pourrons poursuivre. Espérons que tout se passera bien. Je ne sais pas que désirez-vous? Tenez, voilà pour vous. De la colo de vie, la meilleure qui soit. Avez-vous besoin d'autre chose? Non. Il me donne, mais je ne bois pas encore, super. Je suis... Bien sûr. Je vais voir s'il nous en reste une bouteille. Je vais attendre près de la porte, que tout le monde soit distrait. C'est son bras, ouais, et comment je fais diversion, moi? Cette guerre ne durera pas longtemps. Je suis bien de votre avis. D'ailleurs, avez-vous entendu des rumeurs intéressantes ces temps-ci? J'ai en effet vu quelque chose d'intéressant il y a peu. Oh, le beau plusieurs bug. Plusieurs campaient en dehors des murs de Blancherive. On dirait qu'ils vendent leurs marchandises partout en bord de ciel. On ne peut qu'admirer leur courage, d'oser emprunter nos routes en pleine guerre, et avec ces dragons dans le ciel. Il y a plein de noms différents. À qui je vais parler, là? Ellen Wayne organise toujours des soirées. Les hommes d'Ulfric, eux au moins, sont prêts à se battre pour leurs principes, tout barbare qu'ils soient. Avec un peu de chance, un valeureux héros apparaîtra et résoudra nos problèmes, comme dans les récits. Il faut que tu crées une embrouille, il faut parler à la servante. Je ne me souviens plus. Bah, on doit les marrer là. Je suis bien de votre... La paix est-elle vraiment bien? Nous sommes en paix en ce moment. Cette paix continuera aussi longtemps que nous le souhaiterons. Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une paix forgée par nécessité entre des nations rivales de force égale. Il s'agit plutôt du calme avant la tempête. La prochaine sera, à mon avis, bien plus meurtrière que la précédente.
Vous passez un bon moment? Tout va un peu mieux, merci. Certaines personnes de l'Empire aimeraient se soustraire à leur obligation d'aider à éradiquer l'hérésie du culte de Talos. Heureusement, la plupart des personnes opposées à la politique de l'Empereur se sont maintenant révélées être des traîtres, outre leur statut d'hérétique. Je suis ici pour rappeler aux classes dirigeantes de Bordeciel que leur loyauté à l'Empereur implique de coopérer avec les Talmor. Avez-vous entendu quelque chose d'accord. Récemment? Très bien. La servante, tu m'as parlé. Maintenant que j'y pense, j'ai entendu quelque chose d'intéressant. La servante, c'est qui? Apparemment, le vague rouge a jeté l'ancre à Solitude il y a plus d'un J'espère mois. J'espère que vous vous amusez, il ne madame. Pas disposé à repartir rapidement. On raconte que sa coque Je crois que vous avez déjà assez bu. Et que le capitaine Safia Je crois que vous avez déjà assez bu. On peut pas la renverser? Elle ne le reconnaîtra jamais, bien sûr. Je crois que vous avez déjà assez bu. Ouais. À la prochaine. Vous passez un bon moment. C'est bu, ouais. Autant que faire ce que Hélène Wayne organise toujours des soirées. Je ne vous dérange pas plus. J'y vais chaque fois que je le peux. Si ça ne tenait qu'à moi, je passerais tout mon temps dans ce genre de fête, au lieu de m'occuper de la populace. À la prochaine fois, alors. Qui pourrait bien avoir envie de rejoindre les Sombraves? Moi. Ils ne possèdent qu'une infime partie des richesses et du pouvoir de l'Empire. Oh, le bordel entre les personnages, là. Même quand les autres Je la connais depuis suffisamment longtemps pour apprécier son excellent goût en matière de cuisine et de vin. Je respecte également son importance pour Bordeciel. Elle joue un rôle vital dans l'éradication du culte interdit de Talos. En ce qui me concerne, les disciples de Talos ont bien ce qu'ils méritent. Tout ce qu'ils font, c'est causer des problèmes aux Jarl. Entre les dragons et les sombrages, mes coffres sont bien vides. L'autre type à la couronne, c'est une femme, l'autre. Oui, je vois ce que vous voulez dire. La plupart des Nordiques ont du mal à accepter le changement. Ceux qui ont combattu les Talmor pendant la Grande Guerre les perçoivent encore comme un ennemi. Mais cette guerre est terminée. Une nouvelle ère a commencé. D'autre part, les Talmor récompensent grassement leurs amis. Il faut être un imbécile opiniâtre pour ne pas en profiter. C'est à croire que tous les forgerons du bord de ciel. À la prochaine fois. Les égaux d'Eorlund Gristoise. Mec, ah le mec de l'autre Cette côté. Comparaison n'est pas très juste. Si Oups là, toi là. Savourez le bon vin et les plats raffinés. Ils se font rares depuis le début de la guerre. Nous ne savons déjà plus où donner de la tête. Dans l'immédiat peut-être, mais on m'a rapporté des rumeurs dérangeantes. Ils seraient en train de rassembler leurs forces. Je soupçonne que l'accord qui a mis fin à la guerre n'était qu'une façon de gagner du temps, afin que les Talmor puissent reconstituer leurs armées. Ah, c'est possible, ça. J'espère que je me trompe. J'ignore si l'Empire peut se permettre une nouvelle guerre. Je m'y plais assez, je suppose. Hélène Wayne s'investit considérablement dans la préparation de ces fêtes, et cela se voit. Néanmoins, je me demande quelles sont ses véritables intentions. Cette femme est énigmatique. J'ai entendu dire qu'Ulfric Sombrage... Oui. J'ai rien d'autre à dire, en fait. J'ai été heureux de vous parler. Moi aussi. Je parie que c'est Ulfric en personne qui est à l'origine de cette rumeur. C'est lui, le Jarl, non ? Peut-être pour donner un coup de fouet au recrutement. Vous passez un bon moment ? Tout est magnifique, merci. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Parce que la porte, en fait, c'est quelle porte? C'est la porte en face, là, que je dois aller après. Donc, il faut que je sache quelle porte aller, parce que je dois me dépêcher. Et plus personne ne traque les bandits. Les routes sont devenues dangereuses. N'est-ce pas fabuleux? Hélène Wayne sait vraiment recevoir. Vous avez entendu des potins intéressants récemment? Je vous demande pardon. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Je suis Elisif, la veuve du haut roi Taurig, le Jarl de Solitude. Heureusement pour vous, je ne suis pas susceptible et il en faut plus pour me vexer. Énormément, oui. Les réceptions d'Hélène Wayne sont toujours charmantes. Elle a vraiment très bon goût. Mon seul regret est qu'elle n'en organise pas plus souvent. Ce fut un plaisir, merci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à boire ici? Vous êtes la seule personne généreuse au milieu de tous ces grippes, sous et parasites. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, n'hésitez pas à demander. Merveilleux! Comme ça, je pourrais vous remercier de votre générosité immédiatement. Je vous écoute. Salut Nemos.
D'ailleurs, avez-vous entendu... C'est tout ? Vous vous adressez à la bonne personne. Faire du tapage, c'est un peu ma spécialité. Reculez et admirez le travail. Les récoltes de Rorikbourg sont toujours abondantes. Est-ce dû à la chance, à la bénédiction des divins ? Qui sait ? Votre attention ! Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? J'ai une annonce à faire. Vite, dépêchons-nous, avant que quelqu'un ne nous remarque. Ben oui, pousse-toi ! Voilà. Récupérez votre équipement. Je le récupère où, mon équipement ? Jusqu'ici, tout va bien. Espérons que personne ne nous a vu nous éclipser. Nous devons traverser la cuisine. Votre équipement est caché dans le garde-manger. Restez près de moi et laissez-moi parler, d'accord ? Ouais. Suivez-moi. Bon, finalement, c'était au mec bourré qu'il fallait parler, apparemment. Qui est là, Malborn ? Tu sais bien que je n'aime pas les odeurs étranges dans ma cuisine. Un convive qui ne se sent pas bien. Il vaut mieux ne pas s'en occuper. De la visite dans la cuisine ? C'est contraire aux règles. C'est génial, hein, Tsavani. Au fait, je croyais que c'était interdit de manger du sucre lune. Je devrais peut-être demander à l'ambassadrice. Sortez, je n'ai rien vu. Terminé, que j'ai récupéré votre équipement. Je vais verrouiller la porte derrière vous. Votre équipement se trouve dans ce coffre. Oui, ça y est, je sais. Conseil de rue. Bien. Dépêchez-vous. Il faut que je sois de retour avant que l'on ne remarque mon absence. Ouais, mais ferme la porte si tu veux pas qu'on trouve mon équipement. Je vois pas mon équipement, moi. De toute façon, je t'avais parlé au type de la couronne, quoi. Ouais, mais là, toi, j'ai ma mec bourré, là, j'ai vu, non. Il me dit, j'ai récupéré mon équipement. Je vois pas mon équipement, moi. Il est où, mon équipement ? C'est un bug ou quoi ? Coffre vide. Normalement, je l'ai pris. Je dois verrouiller la porte derrière vous, ou les patrouilles se douteront de quelque chose. Bon, je prends le couteau, on sait jamais. Oui. Vite ! Si quelqu'un se rend compte que je ne suis pas à la soirée, notre... C'est bon. Oui, je sais. Je vous laisse à présent. Ces sorciers défilés ce matin. Qui les envoie ? S'agit-il de nouveaux exécuteurs du traité de l'émissaire ? C'est où je dois aller en fait ? Non, parce que... ce sont de hommages venus tout droit d'un. Est-ce que j'ai pris ? Je dois aller là chercher. Mort. J'imagine qu'elle-même commence enfin à s'inquiéter de toutes ces attaques de dragons. Bien. Il y a pas de porte. Je me demandais comment nous devions nous y prendre pour protéger cet endroit d'un dragon. Si un dragon apparaît vraiment, avec un peu de chance... Attends... T'as objet... Je peux pas qu'il me fait... Mais je vois pas où est mon équipement... Dévorer les mages. Comme ça, nous si, si... Assez de temps C'est la femme Delphine qui a gardé mon truc. Voir ces espèces d'arrogants remis à leur place. Qui a gardé mes machins. Regarde toujours de haut les vulgaires marcheurs comme nous. Je dois aller où, moi ? Bien. Nous ferions mieux de reprendre nos rondes. Bon. Ah ben, je vais faire juste la pause ici. Je vous retrouve tout de suite. Avant d'aller voir ce qu'il faut faire pour la suite. À tout de suite.